Vous pensez que tout est bouclé après avoir choisi votre robinet, votre vasque et votre meuble? Pas si vite. Deux éléments essentiels sont encore à prévoir, le siphon et la bonde de vidange. Dans cette vidéo, je vous explique tout en détail. Le siphon est installé sous le lavabo, la baignoire ou la douche, permet d'évacuer l'eau tout en empêchant l'air vicié de remonter. Grâce à une petite quantité d'eau qui reste toujours dans le siphon, les gaz ne peuvent pas remonter par les canalisations. C'est un élément essentiel dans toute salle de bain. Il existe quatre principaux types de siphons, chacun portant le nom de sa forme. Le siphon en S, le siphon en P, le siphon bouteille et le siphon gobelet. Pour les espaces restreints, il existe aussi des siphons compacts, parfaits pour les meubles sans découpe dédiée ou pour les douches et baignoires peu profondes. Vous aurez également besoin d'une bonde de vidage assortie, qui doit être bien raccordée au siphon. Sinon, vous ne pourrez évidemment pas la serrer correctement. Il est essentiel que la taille de la bonde corresponde à celle du trou d'évacuation du lavabo. En veillant à ce que tout soit parfaitement ajusté, vous éviterez les fuites. Il existe différents types de bondes de vidange. Tout d'abord, il y a la bonde clic-clac, qui désigne une bonde fermable. Dans ce cas, la bonde peut être enfoncée pour permettre à l'eau de remplir le lavabo. Lorsque vous souhaitez vider le lavabo, il suffit d'appuyer à nouveau sur la bonde pour l'ouvrir. Si vous avez choisi un lavabo sans trop plein, il est préférable d'opter pour une bonde toujours ouverte. Sinon, il y a un risque de débordement si le robinet reste ouvert trop longtemps avec la bonde fermée. Le trop-plein permet d'évacuer l'eau excédentaire, mais en son absence, cela n'est pas possible. C'est pourquoi, dans ces cas, nous recommandons une bonde qui reste ouverte. La troisième option est la bonde à tirette. Avec ce type de bonde, l'évacuation est fermée en tirant sur une tige située à l'arrière du robinet et elle est ouverte en appuyant à nouveau sur cette tige. Pour les robinets équipés d'une bonde à tirette, la bonde est toujours incluse. Les bondes de vidage et les siphons sont disponibles dans différents matériaux. Notre conseil est de choisir une bonde qui s'harmonise avec le robinet, les accessoires et le siphon que vous avez sélectionné. Cela permet de créer un ensemble élégant où la bonde devient un élément esthétique à part entière. Si vous avez opté pour un meuble et que le siphon n'est pas visible, il n'est bien sûr pas nécessaire de la sortir. Un modèle en plastique suffit alors amplement. Dans notre gamme, vous trouverez des bondes et siphons en chrome, laiton, blanc ou inox. Souhaitez-vous voir ces matériaux de près? Venez visiter l'un de nos showrooms et laissez-vous inspirer par nos conseillers. Vous pouvez également contacter notre service client pour obtenir des conseils personnalisés. Nous serons ravis de vous présenter nos différentes options et de vous aider à trouver la meilleure combinaison. Cette vidéo vous a plu? Donnez-lui un pouce levé. Avez-vous des suggestions pour la prochaine vidéo? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous ne voulez rien manquer de nos contenus, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne.